Au début, forcément, c'est tout beau, c'est tout rose. On vit sur un petit nuage. On est sortis ensemble, puis la brosse à dents, les chaussons. On a emménagé ensemble très vite dans ma petite chambre de bonne. Je suis enceinte et à partir de là, il y a toute une métamorphose. Il a vraiment changé. Je suis devenue sa propriété. Il connaît mon emploi du temps par cœur. Faut que j'arrive à une certaine heure, sinon il devient nerveux. Enceinte, on a eu des disputes pour des petits détails et ça a été la claque. Bon, au départ, la claque, et puis après, mais vraiment tout de suite après, la claque, c'était excuse-moi. Et donc voilà, j'ai pardonné parce que au départ, c'était ridicule. Enfin, il n'y avait rien de sérieux dans nos disputes. Je suis paralysée. Je peux rien faire. J'ai l'impression qu'il a raison quand il me frappe. C'est moi qui ai tort. C'est moi, c'est la petite fille trop gâtée, trop capricieuse. C'est ça qui en ressort. C'est lui qui a raison. C'est lui qui me connaît le mieux. Je vis avec lui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il n'y a que lui qui peut me juger, qui peut me connaître. Je dis rien parce que pour moi, il a raison. Il a raison. Enfin, oui, il a raison. J'ai honte. Quand j'ai commencé à vivre avec cet homme, il était jaloux aussi bien de mes amies femmes que hommes. J'ai coupé les ponts en fait avec tout le monde. Donc on se retrouve seul. À la limite, des coups, c'est des bleus, et les bleus, ça disparaît. À la limite, je préfère largement avoir des coups alors que les paroles.
Les paroles, ça reste. Le plus dur à encaisser, ce sont les paroles. Et je les ai dans la tête, les paroles. Pourquoi les gens me croiraient? C'est mon histoire finalement. C'est mon histoire. Madame Bulac. Bonjour. Entrez. Installez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est pas grand-chose, mais juste, j'ai des aigreurs d'estomac, donc ça m'empêche de dormir, et même le malox ne fait rien, donc je voulais savoir si vous n'avez pas quelque chose un peu de plus fort. On va voir ça. Vous me donnez votre date de naissance? 9 octobre 1971. Adresse? 209 avenue Dominique, dans le 12e à Paris. Des enfants? Oui, un seul, Louise, elle a 9 ans. Vous avez des antécédents? Non. Allergie? Non. Opération? Les amygdales, quand j'étais petite. Vous avez des antécédents familiaux? Des antécédents cardiovasculaires ou problèmes de thyroïde? Non. Maladie grave? Non. Vous utilisez un moyen de contraception? Oui. Lequel? Le stérilé. Pas de soucis de ce côté-là? Non. Est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie? Pourquoi vous me demandez ça? C'est une question que je pose à tous mes patients. Des violences au travail, à la maison, dans l'enfance? Donc vous allez me donner quelque chose contre les douleurs? Oui, je vais d'abord vous ausculter. Hein? Allez, venez, on va regarder ça. Vous pouvez poser vos affaires. Je peux garder mon pull si j'ai un peu froid? Bien sûr. Allongez-vous. Alors, où est-ce que vous avez mal? Oui, c'est là. C'est là? Oui. C'est là que vous avez mal? Ça me donne même des vertiges. Quand ça me plie en deux. C'est depuis quand, ça? Depuis mardi dernier. Enfin, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive quand je suis fatiguée. Du coup, j'arrive pas à dormir et je suis encore plus fatiguée. Enfin, j'arrive pas à m'en sortir. Mais il y a quelque chose qui vous a contrarié ou... Non, pas du tout. Non, je vous ai dit, ça m'arrive de temps en temps. Et régulièrement même. Et à la maison, ça se passe comment? Bon, ça va. Ça va bien. Enfin, Louise a un peu des problèmes à l'école en ce moment. On dirait qu'elle est dans une période de régression. Elle a même fait pipi au lit la semaine dernière. C'est peut-être parce que je peux plus l'accompagner à l'école le matin. Si j'ai beaucoup de travail. Si. Mon mari, lui, il n'en a pas, donc ça crée un déséquilibre. Et entre vous et votre mari, ça se passe comment? Comment ça? Ça se passe... on vit ensemble, quoi. Ça se passe comme d'habitude. Comme d'habitude? Il est pas très... Enfin, je suis pas très non plus, mais il est pas très patient. Mmh. 9,5. Petite forme, hein? Petite tension, enfin bon, rien d'alarmant. Et quand votre mari perd patience, ça se passe comment? D'habitude, ça va. Mais hier, j'ai cramé les lasagnes. Alors, ça... Bon, il n'aime pas quand c'est cramé, donc ça a crié un peu fort. Ouais. Parce qu'il est maniaque. Mais bon, il faut le comprendre, sa mère était très peu soigneuse. Il aime bien que la maison soit bien tenue. Ah oui. Impeccable. Oui. Allez-y. Ah oui, c'est pas facile tout ça. Le travail, les tâches ménagères.
Puis la petite aussi, là, c'est ça qui vous épuise. Oui. Du coup, tout le monde est fatigué, et puis on s'énerve, quoi. En fait, il m'a traîné par les cheveux devant ma fille. On s'est disputé, mais ça arrive pas tout le temps. Vas-y. Et ça s'est terminé comment? Ça a duré toute la nuit. Et quand vous avez pas envie de faire l'amour, il réagit comment? Il a ses besoins. J'ai pas vraiment le choix. Donc il vous force à avoir des relations sexuelles? Un peu. Et à quel moment démarrent les coups? Oh, ça se déclenche n'importe quand. Donc en fait, votre mari, c'est du genre à vous humilier, à vous traiter de tous les noms, à vous insulter, à vous empêcher de sortir, à contrôler votre argent. Vous voyez des amis? Non. La famille? Non. Bah, ils sont loin, donc on les voit pas trop. Bon, on va essayer de trouver ensemble des pistes hein, pour vous sortir de là. L'important déjà, c'est de rompre avec l'isolement, de plus se sentir isolé. Vous valez le coup, vous savez? Vous me connaissez pas. Moi, je vois très bien, moi, à quel point vous êtes fine et courageuse. Bon, je vais vous prescrire un médicament un petit peu plus fort que le Maalox. Et puis, je vais faire une note aussi, hein. Précisons qu'on doit se revoir comme ça. Je suis sûr que personne ne vous empêchera de venir. Vous évitez les fruits crus, hein, les ingrédients acides, et puis vous privilégiez le cuit, compote, le riz. Merci. Vous allez être prise en charge. Vous allez vous occuper de vous. Aujourd'hui, là, vous pensez que vous êtes la seule responsable de tout ça, mais évidemment, c'est pas vous la coupable. C'est votre agresseur. C'est votre mari. Vous savez que les violences sur autrui sont sanctionnées par la loi. Hein. Vous pouvez tout à fait porter plainte au commissariat. Un rapport forcé, c'est un viol. Vous avez déjà porté plainte? Non, j'en ai jamais parlé. Bon, bah, on va se revoir dans 2 semaines. Hein, et puis 2 semaines après, pour faire le point. Et puis je vais vous adresser à des partenaires psychologues et kinés. Kiné, c'est pour vous détendre. Le psychologue, si vous êtes d'accord. Oui. Vous pouvez les appeler de ma part. Puis, vous allez aussi prendre l'adresse de... Attendez, je vérifie. De l'association qui lutte contre les violences faites aux femmes dans votre quartier. Et puis, d'ici là, si vous pouviez ouvrir un compte bancaire à votre nom, dont votre mari ignorera l'existence... Je sais pas, peut-être à l'adresse de vos parents? Non, non, ma mère, ça va être un peu compliqué, mais je pense à quelqu'un. Voilà, dans cette association, on va vous parler de vos droits. Et puis, vous allez pouvoir discuter avec des femmes qui subissent les mêmes choses que vous. Il y a des professionnels pour vous aider, vous accompagner. Comment vous avez su pour moi? Vous savez, je pose la question à tout le monde. Beaucoup de femmes sont victimes de violences. Allez, ça va aller, vous verrez.